Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, ça va être très rapide. Comme vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale a décidé en cette rentrée de dédoubler les classes de CP dans les classes, dans les écoles situées en zone dite REP+, et sur l'ensemble du territoire, et de dédoubler à la rentrée prochaine, donc dès 2018, l'ensemble des CP et de CE1 de REP+, ainsi que les CP de REP. Donc ce vœu vise à demander à ce qu'un bilan puisse être dressé à Paris, donc de ces dédoublements, c'est-à-dire savoir ceux qui avaient permis de diviser véritablement deux classes de 12 élèves, ceux avec une co-intervention, de faire un bilan du coût que ça représentait pour la ville et de se rapprocher de l'Éducation nationale qui, de son côté, évidemment, va dresser un bilan, cette fois-ci qualitatif, pédagogique de cette expérimentation de façon à ce qu'en année, disons, N+1 ou N+2, une fois que le dispositif se sera mis en place sur l'ensemble du territoire parisien, on puisse avoir un bilan global de cette expérimentation dont le ministre disait récemment lors d'une question au gouvernement qui lui était posée que les premiers retours étaient excellentissimes, je cite.